messieurs les pilotes, on va commencer par une séance d'essai. C'est le départ se fait du paddock sous la responsabilité de Tintin. Le club enjoueur Roulisseur est surtout axé sur la compétition. Il y a eu un championnat de France dans les années 80 jusque dans le milieu des années 90. Et puis après, le manque de compétiteurs au niveau national a manqué. Donc au jour d'aujourd'hui, la compétition aéroglisseur s'oriente surtout vers le championnat d'Europe, qui a lieu, lui, tous les ans. Et en parallèle, il y a un championnat du monde qui est organisé en moyenne tous les deux ans, auquel les pilotes participent également. Une fois que les essais sont finis, vous rentrez au paddock, il y aura des baptêmes, et après on fera une série de courses. Le club, comme moyen de survie, vend des prestations auprès des comités des fêtes. On n'a pas de terrain d'entraînement, donc on peut difficilement faire découvrir notre passion. On propose soit des simulations de course avec les appareils de compétition, soit des baptêmes avec un appareil de 6 places, ou alors éventuellement avec les machines de compétition de petite puissance, de petite catégorie, pour les enfants de 7 à 14 ans. Ne fais pas l'esprit de m'arroser. Tu seras pas mignon. T'as un bon blouson après. J'essaie tout ce que j'aime, mais je rentre chez moi. Je vis pas loin. Démarre pas. Ça ne veut plus. Ça pourrait aimer le confinement. Donc l'aéroglisseur, comment ça marche? Donc ça, c'est une machine monomoteur, une seule hélice. Donc il y a une partie de l'air qui sert à avancer et une partie dessous qui sert à gonfler le poussin d'air ici. Donc pour accélérer, il y a juste une manette ici, accélérateur. Et ensuite, pour conduire, c'est donc un guidon. On tourne pour faire tourner les gouvernes derrière. Et ensuite, on s'aide aussi du pilotage. C'est-à-dire, si je veux aller à gauche, je vais me pencher à gauche et l'autre côté, pareil. Donc c'est en gros uniquement le pilotage qui fait la différence. On va dire que c'est l'école de l'aéro. Maintenant on va aller voir un bimoteur. Un F1 du coup il y a puissance illimitée. Donc sur ce modèle on a deux moteurs. Donc ici le moteur qui fait la sustentation, donc qui soulève la machine uniquement. Et derrière, l'hélice qui fait, et le moteur qui fait que la propulsion. Donc on sort du F50 qui faisait un 80 km/h en termes de vitesse. Celui-là, 120-130. Sur un F1, c'est beaucoup plus facile à piloter qu'un F50 qu'on a vu tout à l'heure. La difficulté, par contre, c'est de maîtriser la vitesse et le fait aussi qu'on va décoller dès qu'on atteint une certaine vitesse ou piquer dans l'eau. Donc c'est ça qu'il faut arriver à maîtriser, les réflexes beaucoup plus rapides. Il n'y a aucun engin motorisé qui a les mêmes caractéristiques. Parce que vous pouvez essayer un quad, vous allez chercher l'appui. Une moto de cross, vous cherchez l'appui pour la traction. Un jet ski, même sur l'eau, vous cherchez à ce que la turbine vise dans l'eau. Alors que nous, c'est l'inverse, on cherche la glisse pure. Si on ne se déplace pas, on ne tourne pas. Donc le pilotage, il est super fin. Vous ne cherchez pas l'accroche, vous survolez toutes les surfaces. Les pilotes sont propriétaires de leur machine et ils en font donc l'entretien eux-mêmes. On a un concepteur au sein du club Anjou qui est donc Patrick Godichaud qui conçoit et fabrique des aéroglisseurs de compétition. Et les pilotes voient avec lui pour adopter la formule qui leur convient après être passé par l'école de pilotage. Le problème de ces fabrications-là, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment d'exemple. Donc, c'est l'expérience qui fait qu'on arrive à créer de nouvelles machines. En France, il y a plus qu'un. Je suis le seul constructeur, en fait, de ce type de machines. Par contre, en Angleterre, il y a des constructeurs. En Suède, il y a des constructeurs. Bon, moi, j'ai une activité professionnelle qui est dans le composite. Et comme la grande majorité de la fabrication de la machine est en composite, du coup, on a fait un parallèle, quoi. Oui, il reste bas, ça fait un peu comme ça la pole. Ouais, là il remonte avec le vent dans le nez. Avec Denis, il laisse. Ah ouais, là il remonte avec le vent dans le nez. Là où on passe pas mal de temps, c'est pour faire tous les outillages, tous les moules, pour sortir les nouvelles coques.
Après, une fois qu'on a tous les outillages pour créer la coque, ça va beaucoup plus vite. En un mois, on construit l'ensemble d'une machine. Enfin, au niveau composite, après, il y a toute la mécanique. Faut compter une année à peu près pour fabriquer une machine. Il y a eu 8 modèles de créés entre les machines de compétition, monomoteur, bimoteur. Et cet appareil, hein, cette place, qui est plutôt utilisé pour de la plaisance, emmener les gens, faire un baptême. La conception de la nouvelle machine, c'est une résultante des expériences précédentes. Alors évidemment, avec les appréciations des pilotes, on arrive à toucher un petit peu les éléments qu'on doit améliorer. Donc là, la nouvelle, on a testé pas mal de choses nouvelles. Donc il y a des choses qui fonctionnent bien, d'autres un peu moins bien, donc il va y avoir des améliorations. Ça tourne, mais... Moins bien. J'ai l'impression, ouais. Oui, bah ça se peut. Hein. Et t'es trempé comme une soupe, là ? Bah ouais, mais je vais pas assez vite, là. Oh, bah ça fait pas envie, chef. Bah, j'y vais quand même. Ah, mais en plus, tu fais gaffe, tu l'as, mec. Il y a quand même une très bonne entente au niveau du club, donc ça motive un petit peu à continuer, quoi. C'est ce qui fait un peu la force de notre club, quoi. C'est l'ambiance générale qui règne, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le club Anjou Hérault-Lissort dans l'avenir? C'est la continuité de ce qu'il y a depuis 1977, en fait. L'évolution au niveau de l'ensemble de l'activité du club, et puis que les machines continuent d'évoluer. Alors, l'idéal, ce serait d'avoir des gens qui prennent le relais, quoi. On espère y parvenir.